Les appels au calme se faisant timides, c'est la haine qui parle au Proche-Orient. Ce vendredi a été marqué par un nouvel épisode de violence. Trois Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Un autre individu a été abattu après s'être fait passer pour un journaliste et avoir poignardé un soldat israélien. La journée avait par ailleurs débuté par l'incendie du tombeau de Joseph, un lieu sacré pour les Juifs. L'acte a été condamné par Mahmoud Abbas et par le secrétaire général de l'ONU. Au sein des Nations Unies, une solution diplomatique semble impossible, chaque partie accusant l'autre d'être responsable de la situation. L'ambassadeur d'Israël a ainsi présenté ce schéma à la presse. Il donne des instructions très précises, dit-il, aux enfants palestiniens sur la manière de poignarder un Juif. Nous parlons beaucoup d'incitation à la violence, et bien voici à quoi ça ressemble, a ajouté le diplomate israélien. Depuis le début du mois, les attentats et les affrontements ont fait 37 morts côté palestinien, 7 côté israélien. La jeunesse palestinienne est en première ligne, elle dénonce l'occupation israélienne, tout comme l'envoyé palestinien auprès de l'ONU. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous demander d'intervenir de toute urgence, a déclaré Riyad Mansour, pour mettre fin à l'agression de notre peuple sans défense et à celle de nos lieux de culte qui font l'objet de violations de la part de l'armée, mais aussi de colons et d'extrémistes israéliens. Barack Obama s'est dit très inquiet face à la situation. John Kerry pourrait rencontrer Benjamin Netanyahou prochainement en Allemagne.